notre podcast est destiné à ça, du monde comme nous qui commence et d'autres comedy geeks et nerds qui s'intéressent à l'humour vraiment là, quasiment mathématique là, un peu. Là. Et donc, on l'a sorti là. Et depuis ce temps-là, après, on a continué de le rouler un épisode à la fois à chaque semaine. Et ouais, pas mal ça, je te dirais. Ouais, tout à fait. J'ai rien à ajouter, c'est vraiment ça. Je pense que moi et Sacha, on se complète bien là, en humour par rapport à nos projets. Là. Tu sais, toi, t'as le côté vraiment plus technique, plus terre-à-terre, plus mathématique. Puis moi, j'ai ce côté-là plus peut-être plus humain, parce que t'as pas le cœur. Mais... non, mais j'ai un côté plus peut-être, ouais, peut-être plus dans les émotions, dans le ressenti, puis je pense qu'il y a de trouver le milieu là-dedans. C'est ça qui a fait le podcast. Ouais, ben même que, tu sais, c'est drôle parce que au début, moi, ça me tentait pas d'appeler ça un podcast nécessairement. Moi, je trouvais plus dis-moi que j'étais comme. Dis-moi pas que tu l'appelais ça un balado, là. Non, si. Encore moins, non, on s'entend, là. Non, mais j'étais plus que. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ah, tu sais, podcast, il y en a tellement, ça fait un peu genre, justement, des gars qui cherchent une opportunité, tu sais, puis. Tu sais, j'aimais pas trop le nom pis le principe. J'étais comme, nous, on veut quelque chose de peut-être plus comme juste une discussion entre humoristes, whatever, ça sort sur le format que ça sort pis la titre. Pis c'est Léo qui a insisté pis qui a fait, non, on a quelque chose de quand même gros, on a un concept vraiment intéressant, le fun qui va attirer beaucoup de monde, tant du côté des invités que du côté du public. Fait que c'est lui qui a poussé pour que ça soit vraiment la forme que c'est aujourd'hui. Pis, une chance qu'on l'a écouté parce que sinon, ça n'aurait pas eu dû donner le même résultat avant tout.